Jacqueline Paul-Auriol, belle-fille du président de la République, fait au meeting aérien d'Auxerre ses débuts de pilote d'acrobatie. La jeune aviatrice va affronter le jugement de 30 000 spectateurs. Et devant la présidente de la République, Madame Paul-Auriol exécute brillamment les plus dangereuses figures du jeu aérien. Un jour, peut-être, le nom d'Auriol acquérera une seconde célébrité dans le domaine de l'aviation. Ce 4 juillet 1949, à 31 ans, je suis devenue quelqu'un. Non plus parce que j'étais la belle-fille du président de la République, mais parce que j'avais travaillé très dur. Ce jour-là, j'ai vraiment connu le bonheur. J'étais passablement fière de moi. Tout de même, j'en avais fait du chemin en un an. J'aurais fait n'importe quoi, ou presque, pour voler sur un nouvel avion.